Et salut, salut mes chers frères connards. Alors, je vais vous apprendre aujourd'hui comment récupérer cette magnifique tenue hein, des membres de la secte des Epsilonistes, mon ami. Hein, tu remarqueras que nous sommes au siège hein, du centre d'Epsilon, hein, du programme Epsilon, hein, qui est ma secte, hein, puisque je suis un parfait gourou. Regarde, j'ai ma médaille de gourou et tout. Alors, pour ça, nous allons devoir retourner dans le temps grâce à mes pouvoirs magiques. Tu vois, quand je fais ça. Hein, pas trop longtemps, sinon je vais le faire tout de suite. Mais quand je fais ça, hein, et ben je retourne dans le temps. Alors, c'était une époque où j'avais des cheveux et puis où je voulais me faire sponsoriser par. Donc, je rappelle que cette putain de vidéo n'est absolument pas sponsorisée par. Voilà, donc retournons dans le temps, les amis. Alors, concernant cette petite tenue des Illuminati, hein, cette petite tenue de secte, eh ben, il faut vous rendre dans votre boîte de nuit, aller dans les toilettes, et puis vous avez ce lascar dans le coin. Alors, ça prend pas mal de temps. Il faut lui donner 500 $ de pourboire. Donc là, faut vraiment spammer le bouton droite. Voilà, ça vous retire 1 $ à peu près chaque seconde. Vous savez, 500 secondes. Donc faites le calcul. Voilà, c'est un petit peu de temps dépensé. Mais voilà, ça vaut le coup. Donc écoute, on va y aller, hein. Allez, on prend notre courage à deux mains. Donc pour cette tenue d'Epsiloniste, vous continuez, vous continuez, vous continuez à donner 1 $ à ce mec qui doit avoir les poches complètement remplies à présent. Et vous attendez en bas à gauche d'avoir une série de 3 messages. Hein, comme quoi vous avez trouvé la lumière, vous êtes prêt voilà, à rencontrer Raël et tout le bordel. Voilà, donc vous le faites, et puis bah faut être patient, hein. Alors voilà, notre employé, il est pas dans son état normal, mais il a l'air très content quand même, hein. Il a l'air très content à chaque dollar que je lui donne. Bon, il se pose pas la question pourquoi je lui donne autant d'argent. Il se dit pas, oh le patron, peut-être il veut que je lui fasse des petits extras après le travail. En plus, il est juste à côté des préservatifs. Franchement, c'est vraiment honteux. Ce qui compte, c'est qu'on passe les 8 minutes 30 comme ça à galérer, à appuyer sur le bouton droite. Voilà, donc j'ai le premier message, poursuis la vérité, hein, en bas à gauche. Donc je continue, hein, parce que j'aime la vérité, hein, je poursuis la vérité, voilà. Alors, c'est assez marrant parce que au bout d'un moment donné, le mec, au lieu de te dire merci, il te dit kiflom. Hein, donc ça, c'est le signe de rassemblement des Epsilonistes. Hein. Donc là, j'ai le nouveau message. Oh, c'est long, mon ami, c'est une horreur. Je supporte la vérité. Je supporte la vérité, je cherchais la vérité, là je la supporte. Hein. Bon, bah écoute, on va continuer, c'est atroce, c'est horrible, ça dure super longtemps, t'es obligé de changer de doigt, enfin bon, bref, c'est l'enfer. Mais bon, comme j'ai une canette de. Je prends une caboisson des connards. À côté de moi, bah, du coup, je prends des forces, hein. Allez. Oh, j'en peux plus, putain, entre les pauses pour changer de doigt. Oh là là, mais c'est quoi ce putain d'habit que Rockstar nous a foutu là? Et c'est même pas une mission annexe, tu vois, c'est même pas un truc marrant à faire. Putain, t'appuies 500 fois sur le bouton de droite. Oh, j'en peux plus, franchement, je te jure. Regarde sa gueule de toxico. Putain, il ferait mieux de boire seulement, tu vois. Sprunk, la boisson des connards. Ah, ça lui ferait du bien, ça lui rafraîchirait les idées. Putain, allez, je continue. Oh putain, putain, j'en peux plus! Va te faire téter les yeux par les canards sauvages, espèce de branle zizi! Oh là là! Bon, faut être patient, vous l'aurez compris, j'en ai marre, j'en peux plus! Oh, vous me direz en commentaire hein, si vous aussi vous avez perdu 10 minutes de votre vie comme un connard, hein, comme je suis en train de faire, parce que 10 minutes avec les pauses, hein, pour avoir un putain d'habit de merde, mais c'est une fils de puterie de la part de Rockstar, ça, franchement, je te jure, c'est de la merde ce jeu, j'en peux plus! Vous me direz en commentaire si vous avez souffert en tant que moi, au secours! Oh là là, j'en peux plus. Bon, alors, j'ai loupé le message en bas à gauche, ce qui fait que j'aurais pu continuer toute la journée comme ça. Je suis qu'une merde, tu n'es qu'une merde. Voilà, bon, comme je suis qu'un connard, hein, je vais retourner à ma salle vestimentaire, tu vois, et puis je vais te montrer la tenue qu'on a débloquée. Hein? Alors, comme je suis qu'un
connard, que j'ai bu trop de... Sprunk, la boisson des connards. J'ai besoin d'un vrai petit remontant là, tu vois. Allez, vas-y, on va aller voir ces putains de vêtements là, et puis... Alors, allons-y, alors c'est où, putain? C'est dans une tenue, tu vois, tu l'as gagné la tenue, c'est dans une tenue, tu vas dans une tenue spéciale, et c'est marqué tenue Epsilon, tu vois, allez, oh là là, ça a changé ma sale gueule aussi, bon, je vais pouvoir me téléporter dans le temps et puis mettre fin à mes jours, allez. Alors, me voilà de retour au temps présent. Donc, comme je suis un parfait connard et que j'ai dépensé 15 minutes de ma vie à avoir cette putain de tenue de merde, franchement, ça fait, c'est vraiment de la merde. Donc, écoute, bah, je vais attenter à mes jours. Hein. Allez, putain, adieu, monde cruel! Thank you.